رئيس الاتحاد الوطني للجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة التركية. اليوم تم توقيع اتفاقية ما بين الاتحاد الوطني وكذا شركة ملك عمر الذي وقع اتفاقية بصفة ديالو كرئيس للهيئة وسيروني كمدير عام لشركة ملك عمر. الهدف من هذا التوقيع هذه الاتفاقية وهو كيدخل في واحد الإطار اللي نهجته وزارة التجهيز والنقل من أجل تجديد باركينغ ديال مدارس تعليم السياقة اللي كاين فيه واحد الدعم مالي. الآن حنا وقعنا الاتفاقية من أجل اقتناء مجموعة ديال الآليات بالنسبة للعربات اللي كتفوق 15 طن وكذلك بالنسبة للجرار اللي غادي ندخلوا من مدارس تعليم السياقة. الآن تقريبا غادي تكون واحد شي 25 ديال الآليات اللي غادي ناخذهم عندهم في المرحلة الأولى. Directeur général de la société Mecomar. Dans le cadre du salon du Logismed, nous avons signé ce jour une convention avec l'Union nationale des associations des auto-écoles pour le renouvellement de leur parc, avec des avantages et une offre assez encourageante qui a été étudiée de part et d'autre entre la société Mecomar et l'Union nationale des associations des auto-écoles. Au niveau national. Ces résultats sont une parfaite conséquence à la fois au développement des opérateurs nationaux, mais également à l'installation de plusieurs opérateurs internationaux dans les plateformes stratégiques mises en place dans le Royaume, notamment à Casablanca et Tanger. Et il importe à ce titre de préciser qu'une quinzaine d'opérateurs logistiques intégrés présents au Maroc, compte parmi le top 20 des meilleurs logisticiens mondiaux. Donc la contribution de ce secteur dans l'essor économique de notre pays est appelée à croître parallèlement aux efforts louables fournis par le ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, à travers notamment l'Agence marocaine de développement de la logistique, l'AMDR, et bien sûr, en étroite collaboration avec Claire Métropo, j'ai souligné l'impératif de procéder courant 2019, en collaboration avec la CGL, à une évaluation de la mise en œuvre des différents chantiers de la stratégie commune de la CGL décidée en 2010 et des contrats d'application qui en découlent et d'identifier, si besoin est, les ajustements nécessaires. Dans ce cadre, les comités de suivi et de pilotage relatifs aux différents contrats. À ce titre, un comité de pilotage du contrat d'application pour la période 2014-2020 relatif au développement de la formation et des compétences logistiques s'est tenu récemment et a été consacré à la présentation de l'état d'avancement de la réalisation des actions et les mesures qui y sont inscrites. Parmi les principales mesures réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de ce contrat, les services du ministère et de l'AMDR ne ménagent aucun effort pour mobiliser les acteurs concernés en vue de la finalisation des contrats d'application relatifs à l'amélioration de la compétitivité.